Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash of Clans sur le village des ouvriers. Comme vous pouvez le voir, je suis passé MDO4 enfin. J'avais tout maxé mon HDV, mon MDO, sauf les remparts. Mais les remparts, c'est pas très important sur ce mode de jeu parce que les bombardiers font très très mal. Du coup, c'est même pas la peine. Comme vous pouvez le voir, je suis passé HDV4 hier. Vous l'avez pas vu, mais je suis passé HDV4 hier. J'ai amélioré directement la tour d'horloge directement car c'est très important et elle est très très utile. Puis j'ai amélioré mes casernes directement au niveau 6, très très important. J'ai amélioré mon casse-brique niveau 2, mon bombardier, et là je suis en train d'améliorer mon dragon niveau 2. Comme ça au moins j'ai toutes mes troupes maxées pour le laboratoire niveau 3, puis je vais le passer au niveau 4. Puis j'ai acheté le poste de garde qui est vraiment très utile pendant lors des combats. Car regardez, il y a des barbares et des archers ici. Vous pouvez voir des barbares et des archers qui défendent notre village. Pour l'instant, ils sont au niveau 2. Mais si je l'améliore, eh bien, ils seront au niveau 4, puis 6, puis 10. Du coup, regardez, j'ai acheté aussi ce piège que je suis en train d'améliorer au niveau 3. Comme ça, il est au même niveau que les autres. J'ai acheté la bombe Megamine, qui est vraiment stylée. Vraiment stylée. J'ai acheté aussi cette bombe. Je l'ai passé au niveau 2, je vais la passer au niveau 3. Et là juste maintenant je viens d'améliorer. Je viens d'avoir ma mine niveau 4. Je l'ai maxé pour mon HDV. Pour mon MDO, désolé. Qui me rapportera beaucoup plus. C'est très très important d'améliorer les mines dès le début. Mine extracteur car ils vous rapporteront beaucoup plus d'or et d'élixir. Chaque nuit, du coup, vous allez vous remplir les poches. Là, vous pouvez voir. Je suis rempli en or. Bientôt 300 000. Et je vais m'acheter la machine à bombe aérienne. Comme ça, moi, j'aurai acheté tous mes bâtiments. Puis, je vais m'améliorer mon extracteur d'élixir d'urgence. Comme ça, hop, je m'achète mon camp militaire. Et là, j'ai tout acheté. Et je pourrai commencer à améliorer mon MDO. Comme vous pouvez le voir, je vous conseille vivement ce village. Un village excellent. Qui est vraiment excellent, ce village. Comme vous pouvez le voir, je fais que gagner. Hop, hop, hop. Là, des fois, j'ai perdu 3 attaques sur les 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai perdu 3 attaques sur 10, c'est vraiment bien. Des fois, c'est obligé de perdre parce qu'il y a un adversaire beaucoup plus fort que vous. Mais c'est vraiment obligé de perdre. Vous ne pouvez pas avoir un village indestructible. Regardez, là, les tours d'archers qui sont placés au sud et au nord de la base. Regardez, qui protègent bien tous les bâtiments. Ils ne laissent pas de bâtiments gratuits. Regardez, par exemple, les archers les mettent au niveau de cet arbre. Eh ben, la tour d'archers va les toucher. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté la tour d'archer et je l'ai passée directement au niveau 2. J'ai envie de la passer au niveau 3, mais je suis en train d'économiser pour la machine à bombe aérienne. Et pareil de l'autre côté, tour d'archer niveau 3, qui protège bien tous les bâtiments, même de ce côté. Ici, j'ai mes lignes de mur avec des bâtiments à l'intérieur, avec des assez jolis points de vie. Regardez, mine qui a 457 points de vie et elle qui a 605 points de vie, du coup, elle protège bien. Le canon et le double canon et tour d'archer en plus. Sachant que le double canon et canon, ils ont une très bonne portée. À part le double canon qui a une portée de cette case. C'est pas vraiment énorme, mais c'est déjà bien. Puis de l'autre côté, c'est pareil. Sauf qu'à la place du double canon, j'ai mis une broyeur. Broyeur qui fait extrêmement mal si vous laissez l'ennemi. Si l'ennemi pénètre à la base et qui arrive au niveau du broyeur, le broyeur va les détruire. Et un groupe de barbares, un groupe d'archers ou des géants, je vous conseille vivement de l'améliorer au niveau 2. Regardez, hop, et là j'ai mis des deux côtés du village camp militaire, laboratoire et horloge camp militaire. Après, j'avais pas de bâtiment car l'horloge elle a 650 points de vie, c'est énorme. Et le laboratoire qui en a 960, du coup, ça va bien protéger le canon, le double canon, canon broyeur ici, anti-aérienne qui prend tout le village pratiquement avec une Tesla car la Tesla va faire l'affaire contre des archers, on sait jamais s'ils veulent détruire l'anti-aérienne. Là, de ce côté, j'ai mis le poste de garde qui va attirer les troupes. Il va, par exemple, s'il met un groupe de barbares pour détruire ces deux bâtiments, les barbares et l'archer qui va venir là, il va attirer les troupes et le canon autour d'archer vont les tirer, leur tirer dessus, même le canon, non. Le canon, non. Ce canon, même pas. Mais en tout cas, il y aura double tour d'archer, canon et peut-être le broyeur qui vont cibler les troupes attirées par le poste de garde. Du coup, c'est vraiment un excellent village. Là, on va se faire un combat directement live pour tester ce village. C'est pas obligé de gagner tout le temps, mais là, vous pouvez gagner. J'ai le plus de chance. Regardez,
Là, faut regarder sur les coins du village. Et là, moi, je vais faire la technique d'attaque de grattage. Car il est un village anti-géant. Car les géants vont tourner dedans. Là, ils vont faire comme ça. Tour d'archer, canon, ils vont tourner. En plus, il y a des défenses assez bien. Regardez les tours d'archer qui sont au niveau 5, 4, 4, 4, je pense. Du coup, là, on met deux barbares sur chaque bâtiment. Je vous le conseille. Parce que regardez, vous allez gratter très très rapidement. Et en plus, regardez, nous avons détruit beaucoup de bâtiments, déjà 29-34%. Hop, là, les tours de poste de garde, ils ont attiré nos barbares, du coup, ils ont permis à ne pas détruire le réservoir et la mine d'or. Du coup, là, nous allons les détruire avec un archer, déjà 48%. Et là, nous allons tenter de gratter une étoile de ce côté, avec les 4 derniers archers. Je vous conseille, gardez vraiment des archers vers la fin. Car c'est très très important, et là regardez, hop, 53% les archers qui se font cibler pour détruire un mur. Dommage, ils n'ont pas cette portée pour toucher les tours d'archer, mais c'est pas très grave. Tour d'archer, excellente défense, je vous conseille de l'améliorer aussi, excellente défense. Du coup, on a fait un 53%, et là nous allons voir si l'ennemi a fait beaucoup plus ou beaucoup moins de portée. Du coup, là regardez, en plus, je suis à mon record de trophées, 1882 trophées, hop hop. Là, si je suis à 2000 trophées, ben, j'aurai 120 000 de bonus de 3 victoires et 90 000 de bonus. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Hop là. Là. Hop là. Pas encore, pas encore. Alors, du coup, on va faire un petit ellipse le temps que son combat finit. Ah oui, juste avant, je voulais vous montrer le temps que son combat finit. On va voir notre village principal qui a vraiment bien avancé. Regardez. Hop là. Là, hop. Combat. Boîte aux lettres. Du coup, ce village qui est assez bien pour l'instant, regardez. Défaite, victoire, 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 défaite. J'ai fait 3 victoires d'affilée. Anti-aérienne, niveau 7. Elle aussi. Elle qui passe demain, niveau 7. Je suis en train de passer mes 2 Tesla, niveau 7 aussi. Et il ne manquera plus que 2 améliorées. Elle qui passe demain. Je l'améliore demain car j'ai 4000 d'or. Et elle qui passera dès que l'anti-aérienne, dès que j'aurai un ouvrier de libre. Sachant que dans 4 jours, j'ai mon bébé dragon niveau 2. Niveau 2, et je vais directement m'améliorer le golem niveau 3 car j'aurai assez d'élixir. Normalement, je vais en avoir. Et sachant que j'en ai 5000, c'est presque quasiment 6000 dans la trésorerie qui est pleine, sauf pour l'élixir noir. Je la laisse dedans, c'est très important de la conserver. Et là, nous allons voir. Nous avons perdu contre un 81%. Nous allons voir le combat. Pas très grave, pas très grave. Moi, la plupart des attaques, je gagne, mais ce jeu est basé sur la chance. Ce mode de jeu est basé sur la chance. Si vous avez des bonnes défenses, vous gérez normalement. Si vous avez de bonnes attaques, vous gérez aussi. Regardez, hop là, là il a permis. Le casse-brique a fait un gros travail. Sauf que le mec, c'est normal, il a 4 ouvriers de libre. C'est normal qu'il me gagne. 4 pas 4 ouvriers, 4 3 militaires. Car il avait 30 barbares plus 2 casse-briques. Du coup, là, je vais attaquer comme ça. Géant avec des casse-briques, et je vais attaquer par ce côté. Je sais pas en fait. Car on peut vraiment bien gratter avec les bâtiments qui sont à l'extérieur. On peut vraiment vraiment bien gratter. Du coup, je pense que je vais gratter, ouais, c'est mieux. C'est beaucoup plus avantageux pour moi. Parce que le mec, il y a assez de bonnes défenses. Hop là, on va de tour, il n'y a rien. Voilà, ils ont cassé la trésorerie, là, le truc de trésor. Hop, 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 on garde les derniers bâtiments. Là, j'ai pas fait un très bon pourcentage, je l'avoue. Mais on peut avoir la chance et gagner. Hop là, allez détruire la truc d'or. Encore 2 archers pour détruire ce laboratoire et cette réserve d'élixir. Ce réservoir d'élixir. Là, ça va pas le faire. Je vais remettre notre dernier archer pour détruire. Mais on a fait qu'un 35%, peut-être un 40% avec le réservoir d'Alexier. Hop là, 40%, je vous l'avais dit. Là, on va voir si l'ennemi a gagné ou a perdu. Alors, et là, nous avons gagné encore une fois. Regardez, j'ai dépassé mon record. Full Baby Dragon niveau 8. C'est... Ils sont pas très, très vraiment fameux, désolé. Ils sont pas vraiment fameux au niveau 2-3. Il faut qu'ils soient au niveau 4-5 minimum, parce que là, regardez. En plus, ils ont mis en groupe. Je vous le déconseille. Anti-aérienne, mal anti-aérienne qui est vraiment très très forte.
faut pas les mettre en groupe, faut les mettre séparément, c'est au niveau 2 parce qu'ils ont leur pouvoir, regardez, pouvoir d'enragement qui fait 40% de dégâts de plus. Du coup, c'est pas vraiment avantageux de les mettre en groupe. Le Galantien qui a fait un vraiment, vraiment gros taf, je vous le conseille, améliorez-la. Faut pas la négliger parce que elle peut vraiment vous sauver la mise. Regardez, hop, le bébé dragon, le dernier bébé dragon. Il a détruit la Tesla et il a fait aucun dégât sur l'HDV. Du coup, voilà, nous avons gagné tranquillement à 29%. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous présenter ce village. Je vous le conseille vivement, il est vraiment excellent ce village. Vous n'allez pas gagner à 100%, mais vous avez un avantage que vous avez gagné. Les pêcheurs qui sont vraiment bien placés de manière propice à ce que l'adversaire ne fait le moins de dégâts possible. En plus, il y a très peu de bâtiments à l'extérieur, du coup, pour pas vraiment gratter le 50%. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous présenter ça. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.